Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une activité ludique en apprenant à dessiner une vache en 4 étapes. Allons-y. Alors, c'est écrit « Dessine une poire au bout coupé ». Alors, est-ce que je vais y arriver? Une poire, ça a l'air assez arrondi. Un trait. Seconde étape. Superpose la tête et colle les pattes. Alors, la tête, on va dire, ça fait un ovale. Voilà. La tête est faite, les pattes. Alors, on dirait que c'est comme ça, comme ça. Et voilà, une patte. Une deuxième patte. Alors, un trait, voilà. Ensuite, ajoute les oreilles et les pattes avant. Alors, les oreilles, ça fait comme ça. Voilà. Voilà. Et les pattes avant. Alors, on voit qu'ici, il y a les naseaux. Les pattes avant. Une patte. Qui se finit là. Deux pattes. Voilà. Et dernière étape. Et n'oublie pas la queue, les yeux, les cornes. Alors la queue, elle est ici. On la fait un peu comme on veut, hein, j'ai envie de dire. Avec au bout des petits poils. Voilà. Alors, ensuite les cornes, une corne, deux cornes, les yeux, un œil, deux yeux, voilà, les poils de devant, ensuite l'arrondi du ventre, voilà. Les sabots, donc on a déjà les sabots des pattes avant, et là les sabots des pattes arrière. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de couleur à tout ça. Quelle couleur vais-je prendre? Du marron foncé. Alors, si j'appuie très fort, je vais peut-être réussir à faire comme du noir. Oh, je vais plutôt prendre le crayon de mine. Alors, les sabots, je crois que je n'ai pas de noir. Hop là, je déborde. Les pattes avant. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? On lira après. Alors, ensuite, on va mettre un petit peu de couleur. Voilà. Un petit peu de couleur sur cette jolie vache. C'est marqué la vache orange. Moi, je vois plutôt du marron. Alors, je fais les couleurs que je vois. Le haut. Voilà. Alors, c'est assez grossièrement colorié, mais c'est pour montrer que ça rend vraiment pas mal, même si ça n'est pas colorié de façon tout à fait protocolaire. Ça peut servir à faire des décorations sur des tasses ou autres, même des dessins. Voilà. Alors, est-ce que j'ai du marron un peu plus clair? Je vais essayer celui-ci. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour faire un peu ces parties là aussi. Voilà, la queue plutôt comme ceci. Je déborde, pourtant je ne suis plus en maternelle. La touffe d'herbe, il me faudrait du vert parce qu'il y a un joli décor autour. Je ne sais pas si je serais capable de le reproduire. Alors là,
Ça fait du vert. Voilà, un petit peu de vert. C'est la pelouse, évidemment. Une vache. Ça aime bien l'herbe. Voilà. Ensuite, je vois un petit peu de marron en bas. Ça fait un peu bon, la terre. Hein. Il n'y a pas que de la pelouse, il y a aussi de la terre. Voilà. Je vois dans le ciel quelques nuages. Je vais prendre du bleu et je vais faire des nuages. Voilà, on en voit un autre ici, tout petit, et voilà. On va colorier. Et la vache sera pour ainsi dire terminée, même si vous, de votre côté, vous pouvez largement l'améliorer. Mettre un soleil, colorier la barrière par exemple. Ce sont des barbelés qui sont là pour éviter que les vaches ne sortent du pré et n'aillent dans celui du voisin. Donc, l'œil est un petit peu jaune et demain, je vous proposerai la suite de ce coloriage. Donc, aujourd'hui, c'était la vache orange de Monsieur Leblanc est bien malade. Nous saurons la suite demain avec le prochain dessin. Je vous souhaite une bonne journée et demain, je pense également vous proposer, avec la musique que vous avez entendue en fond sonore, une chanson sur les conditions actuelles de confinement. J'espère qu'elle vous plaira et que vous serez nombreux à l'écouter et à liker ainsi que cette vidéo. Au revoir, à demain !